tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire un petit programme pour le dos avec ma barre et j'ai utilisé aussi des poids que j'ai acheté chez Ergestel, donc il y aura le lien du site dans la description. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, c'est toujours plaisir, et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Donc je vais commencer par faire un échauffement, donc il y aura de la musique. I'm losing myself. I'm losing myself.
terminé et on va passer aux exercices avec la barre. Par contre, je vais mettre un peu la barre en diagonale, au moins vous allez bien voir parce qu'à cause de ça, ça cache un peu. Donc, vous allez vous mettre sur les genoux. Donc, pour les débutantes, vous pouvez écarter vos jambes, mais pas trop non plus parce que sinon vous allez presque être en grenouille. Après, vous pouvez rapprocher de plus en plus jusqu'au temps où vous êtes les jambes collées. Là, c'est mieux. Et ensuite, vous allez descendre et essayer d'attraper le plus bas possible. Donc, si vous n'avez pas de barre, vous pouvez prendre une chaise, faire contre un mur aussi. Voilà, vous attrapez. On essaie d'attraper le plus bas possible. Donc, si vous avez un mur, d'aller le plus bas possible. Une chaise, d'aller jusqu'au pied, etc. Donc, si vous avez une chaise, vous pouvez l'attraper comme ça, des deux côtés. Si vous avez un mur, vous mettez vos mains comme ça. Et si vous avez une barre, vous faites comme moi. Mais vu que j'ai la tête en bas, j'arrive pas bien à compter, donc il y aura un chronomètre ici, là, quelque part. Maintenant, on va faire les battements. Je vais les faire maintenant et à la fin du dos, au moins vous allez voir la différence. Normalement, il y aura une grande différence parce que là, on n'a pas encore bien fait tous les exercices. Au moins, vous allez voir l'importance des exercices suivants. Donc, on va en faire 5 pliés et 5 tendus. We flow through mountain tops, we grow now, we won't stop. Face death out of breath, so. Ok, maintenant nous allons faire les bananes. Donc nous allons faire 10 bananes. Donc on va en faire 5 avec les jambes pliées et 5 avec les jambes tendues. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre une petite genouillère ou quelque chose pour mettre sur votre menton parce que ça va faire mal si vous êtes sur du sol. Donc on va en faire 5 pliées et 5 tendues. Donc quand on va faire plier, on va essayer de bloquer les pieds en dessous de la barre. Et si vous êtes contre un mur, ben juste essayez de plier vos jambes et de les descendre le plus bas possible. Et avec une chaise, de bloquer vos pieds en dessous de la chaise. Et si la chaise elle se lève, vous pouvez demander à un de vos parents, frère ou soeur de tenir la chaise pour pas qu'elle bouge ou la mettre contre un mur. Donc si vous êtes contre un mur, vous pouvez tendre vos jambes et faire la même chose que moi. Ça change presque rien parce que là, je ne vais pas coincer mes pieds. Vu que je fais 5 bananes, je vais en faire 2 faciles et 3 plus compliquées. Donc d'abord, on va commencer par les 2 plus faciles. We'll be right back.
attention. Donc maintenant, tous les exercices que je vais faire à partir de maintenant, ce sera juste pour les filles. Ce sera que les exercices compliqués, voilà. Quand on fait ces exercices-là, on ne sait pas les faire pour les débutantes. Donc ça va être un peu plus compliqué, il faut bien être concentré. Donc maintenant, vous pouvez prendre une genouillère si vous avez, ou un mousse, ou un oreiller, tout ce qui est mou. Donc si vous avez une chaise, vous pouvez mettre votre jambe, comme ceci. Donc vous mettez votre genou sur le bord de la chaise. Et vous allez venir descendre en grand écart. Donc vu qu'on n'a pas fait les échauffements pour les grands écarts, vous pouvez cliquer sur le petit ici qui apparaît juste là ou là, je ne m'en souviens plus. Et il y aura le lien de ma vidéo où je fais mes grands écarts. Au moins vous pouvez vite cliquer, faire les grands écarts et revenir sur la vidéo. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce si ça vous a aidé. Donc voilà, vous pouvez vous mettre comme ça. Donc vous mettez votre genou sur le bord de la chaise. Vous avancez votre jambe, il faut bien que ce soit en angle droit, comme ça. Et maintenant, vous allez essayer d'attraper votre pied de derrière. Donc pour cet exercice, c'est très important qu'il y ait quelqu'un qui tienne votre chaise, parce que sinon, vous allez vous casser la tête. Moi, j'ai l'habitude, donc ça va, et en plus, j'ai l'espalier pour me tenir. Donc vous essayez d'attraper votre pied et de descendre le plus bas possible. Et de tirer comme ça. Moi je vais juste descendre avec les barres. Donc voilà, et ça on fait 5 fois. On essaie de rester le plus longtemps possible. Maintenant, on fait la petite boule, c'est très important. Quand vous avez mal, même si moi je fais pas la petite boule, quand vous avez mal, il faut directement faire la petite boule. C'est très important. Moi j'ai l'habitude, donc je la fais moins souvent. Mais si vous avez mal, dès que vous avez mal, faites la petite boule, c'est très important. Voilà. Donc le prochain exercice, vous n'avez pas vraiment besoin de vos barres. Là, le meilleur truc à prendre, c'est un mur. Vous mettre contre un mur. Ça, c'est vraiment bien. Donc si vous avez un mur, la jambe d'en haut, moi, je la plie parce que la barre, elle n'est pas assez grande par rapport à mes jambes. Mais vous, vous pouvez tendre votre jambe. Donc vous pouvez la mettre comme ça contre le mur. Moi, vu que la barre, elle est trop petite, moi je la passe comme ça et je mets ma jambe comme ça. Donc si vous avez une chaise, vous pouvez faire comme moi, parce qu'une chaise ça arrive plus ou moins ici, et vu que bon, ouais. Prenez soit une chaise soit contre le mur, le mieux c'est contre le mur. Et moi là je vais vous montrer avec la barre, vu que c'est ça le but de la vidéo. Donc vous vous mettez comme ça, donc vous tendez votre jambe en haut si vous êtes contre le mur, et vous pliez celle d'en bas. Hop, vous vous mettez comme ça, et ça on va faire aussi 5 fois. Vous essayez d'attraper votre pied et de tirer le plus possible. Donc le problème c'est que je peux pas compter le nombre de secondes. En fait vous devez juste tirer 4 fois, et la 5e fois on va rester. Quand on va rester, il y aura le petit chronomètre, là je sais pas où il va apparaître. Et sinon on le fait 5 fois, quand je remonte je compte, parce que là en bas je ne sais pas compter.
Voilà. Voilà, je mets là-bas en diagonale. Maintenant, vous pouvez prendre votre chaise, ça c'est bien. Cet exercice c'est bien avec la chaise. Donc vous mettez vos pieds comme ça sur la chaise. Si vous avez des petites jambes, vous pouvez mettre en dessous. Et si c'est que vous avez des grandes jambes, au-dessus. Maintenant, vous allez essayer d'attraper le bas de la chaise, donc là où vous asseyez, donc le bas. Et vous essayez d'attraper en dessous de la chaise. Et soit en dessous, soit au-dessus, soit sur le dossier de la chaise. Ah oui, et si vous avez mal au dos, c'est normal. Ça veut dire que vous le travaillez bien et que vous allez vous assouplir. Faut avoir mal, c'est normal. Moi, j'ai tous les jours mal au dos, c'est normal. Ça veut dire qu'on s'assouplit bien. Dernière fois, et maintenant, vous n'êtes pas obligé de tirer le plus possible, mais pas tirer trop fort et rester le plus longtemps. C'est ça le but. J'applaudis parce que ça fait vraiment mal. Ok, maintenant on fait la petite boule pour se reposer le dos. Donc voilà, maintenant on va faire un dernier exercice. Donc si vous ne touchez pas au sol au grand écart, donc normalement vous avez dû faire les exercices de l'autre vidéo. C'est très important de les faire parce que sinon vous pouvez vous blesser. Donc maintenant on va faire le dernier exercice. Donc si vous ne touchez pas au sol, en grand écart vous pouvez faire comme ça. Attendez, je me retourne, moi vous voyez bien. Vous pouvez faire comme ça, donc vous pliez la jambe de devant, comme ça, et normalement, vous savez toutes faire ça. Vous pouvez faire comme ça. Celle qui touche juste au sol, mais pas plus haut, vous pouvez faire comme ça, par terre, si vous touchez. Et celle qui touche sur votre chaise, ou sur votre petite table, ou là où vous faites d'habitude les grands écarts, si vous touchez à cet endroit, vous pouvez faire. Mais vous êtes obligé de toucher. Ouais, je pense que c'était logique ce que je viens de dire. Enfin, vous pouvez faire où vous voulez, mais vous êtes obligé de toucher parce que sinon vous allez avoir trop dur. Donc moi je vais changer le côté de la barre parce que sinon vous n'allez pas bien voir. Voilà. Donc moi je touche presque ici, mais le problème c'est que je touche pas vraiment bien, donc c'est mieux de faire plus bas. C'est pas grave si vous n'êtes pas très haut, c'est pas ça le but c'est de bien s'assouplir le dos. Donc si vous faites, si quand vous faites, vous ne touchez plus, c'est normal. Hein. Parce que là il y a tout le poids sur la jambe, quand vous allez en arrière, il n'y a plus de poids, donc c'est normal que ça se lève. Donc vous allez faire avec la même main que la jambe, donc moi je suis gauchère donc je fais avec la main gauche, si vous êtes droitière faites avec la main droite. Si vous êtes droitière de la jambe, hein, pas de la main, parce que moi je suis droitière de la main, mais je fais quand même avec la main gauche. Ça doit être la même main que la jambe. Et la main opposée à la jambe de derrière. Donc vous allez venir faire un battement comme ça. Et vous devez essayer de toucher le sol ou votre jambe ou votre... Ouais, essayez de toucher votre jambe avec votre main. Donc on va faire ça 10 fois. Donc à chaque fois que je me relève, je compte. Let's go! On respire et si vous êtes au sol, vous vous couchez sur votre jambe de devant. Si vous avez la jambe pliée, pareil. N'importe où vous êtes, on se repose le dos. Maintenant, on va venir essayer d'attraper. Donc, si vous n'arrivez pas, je vais vous montrer toutes les étapes. Donc, si vous êtes comme ça, vous pouvez juste essayer d'attraper votre pied. Comme ça. Si vous arrivez à attraper votre pied, vous pouvez essayer de le tendre le plus possible. Descendre en bas. Si vous êtes en droit d'écart. Pareil, vous pouvez essayer d'attraper votre pied comme ça. Vous attrapez
vous essayez d'attraper votre pied. Si vous y arrivez, vous pouvez attraper votre cheville. Et si vous arrivez à attraper votre cheville, vous pouvez essayer de tendre la jambe de derrière. Et si vous êtes comme moi, ben, je vais vous montrer. Donc je vais faire 5 fois. Je vais essayer de faire 5 manières différentes. S'il n'y a pas 5 manières différentes, enfin, je vais faire toutes les manières possibles. Et vous faites 5 fois celle qui vous convient. Donc la première, c'est ça. 1. Le numéro 2, c'est ça. Numéro 3 et on essaie de tendre. 3. En fait, il y a 4 façons de faire. Donc, ça, c'est la dernière. Et la dernière, c'est ça. 4. Et après, si vous arrivez comme ça, vous pouvez essayer de faire avec les deux mains. Comme ça. Et voilà. Donc, voilà, maintenant. On a fait tous les exercices. N'oubliez pas de faire la petite boule entre chaque exercice, c'est très important si vous avez mal. Donc maintenant, je vais vous montrer les battements. Je vous avais déjà les montré à la fin du dos. Et on va voir s'il y a une différence ou pas. Normalement, il y a une grande différence. Parce que maintenant, on a bien travaillé. Et grâce à ça, on sait faire de beaux battements. Et même vous, vous pouvez essayer de faire les battements. Et vous allez sentir que ce sera beaucoup plus facile vu qu'on a bien tiré. Et maintenant, on est mieux échauffé, donc on arrive mieux à faire. Voilà la conclusion. Donc voilà, on va en faire 5 tendus et 5 pliés. Et ensuite, je vais faire boucle. Parce que d'habitude, moi, quand je travaille le dos, je fais boucle à la barre. Donc si vous n'y arrivez pas, le but, c'est d'essayer. Vous essayez. Moi, avant, si j'y arrivais pas, j'ai pas directement réussi à faire la boucle. Donc voilà, maintenant, on va faire les battements. 5 tendus, 5 pliés. 1. 2. 3. 4. Je mets en plié. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, je vais faire 5 fois boucle. 1, 2. J'en fais 3 avec les poids et 3 sans les poids. 3 sans les poids, 2 fois. 1. 2. Donc voilà, la vidéo est terminée. Donc si vous voulez avoir un tuto boucle, n'oubliez pas de le dire en commentaire et d'activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et si vous avez aussi des idées de vidéos, que ce soit des idées de vidéos de gym ou des idées de vidéos normales que je fais comme ça avec mon frère, ma soeur, mes amis, comme vous voulez, dites-le moi en commentaire parce que là j'ai plus beaucoup d'idées, je suis un peu en rupture de stock d'idées. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup aidé et n'oubliez pas aussi de vous abonner à mon Instagram qui apparaît juste ici. Bisous, ciao.